plus mes enfants. Vous écoutez Radio Freaky Rap. C'est au tour de Noor. Là, au moins, on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça. Il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tué pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer. Comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Thank you.
Arrêtez! Ouais, je vais pas pouvoir entrer par là. Bon, passe au plan B. Merci d'avoir repris les avant-postes. Je crois que la reine s'est pas vraiment de toi.
La grande humanitaire a dirigé les régions les plus difficiles de mon empire Kirati. De toi à moi, je crois qu'elle adore ça maintenant. Et c'est votre pote Rabir.
On m'a dit que t'aidais les gens de la région à résoudre leurs problèmes. Bravo, AJ. Mais ils sont nombreux à être dans le besoin. Mais il faut qu'on fasse vite. Thank you.
Dès que j'irai mieux, je préparerai une autre attaque. Il doit payer. C'est ma maison. C'était ma famille. Ils sont tous morts à cause de lui. Un problème? Je peux vous aider? Thank you.
Le soldat Vora doit bientôt superviser une expédition. Je tire pas trop mal. Ici votre roi, Pagan Min. Hélas, je vous apporte cette fois encore une bien triste nouvelle. Ma fidèle Nour n'est plus des nôtres. Elle nous donnait à tous beaucoup de joie avec ses combats dans l'arène. Et elle me manque déjà. Quelqu'un dans les parages. Oh non. Remettez tout dans le camion. L'armée royale. Vous êtes pas sûr, chargez quand même. Les animaux, ils vont s'échapper. Allez, cherchez partout. Qui va payer pour ça? Pagan Min, hein? Thank you.
Rabir et Rana, et vous croirez jamais ce que j'ai vu l'autre jour. Un des nôtres monté sur un éléphant en train de dérouiller des soldats de l'armée royale. Ok, oubliez les chars, les gars. Vous m'avez bien entendu. Je viens de vous dire, un putain d'éléphant. Il attrapait les soldats de l'armée royale avec sa trompe. Et il les envoyait voler comme des merdes. C'était génial. Désolé, je m'emballe un peu tout seul dans mon camion, mais c'est parce que je crois que j'avais jamais rien vu d'aussi dingue. Il manquait plus qu'un bon riff de guitare et un double... Non, encore mieux, un triple arc-en-ciel en arrière-plan avec une licorne qui bondit par-dessus. C'est vous dire comme on voit pas ça souvent. C'est un moment que les hommes de Pagan font tout ce qu'ils veulent. J'espère que la destruction de ce camion marquera le début d'un changement. Ici Rabir et Rana sur Radio Frigirad. Vous savez, il y a un truc qui est hors de moi, les enfants. J'ai trop des boules. Désolé, d'habitude je suis de bonne humeur, mais voilà ce qui m'énerve. Les médias. Je parle pas de moi, la radio c'est bien. Je veux parler des médias occidentaux. On est là, au Kirat, au beau milieu d'une putain de guerre civile, et personne n'en parle jamais. Allez, quoi ? Parlez de nous au moins une fois, bordel ! Tous les gens là-bas, ils se foutent pas mal de notre combat. Mais dès que j'ouvre une page internet, il y a de la pub pour le Viagra partout. Ah, c'est vraiment ça, nos priorités ? Bander plus longtemps ? Dès que je mate un média occidental, je vois une greluche qui se frotte à un mec, qui twerk. Et y'a que ça partout ! Tous les blogs parlent que de ça. Une pétasse qui s'agite les boules. Ça veut dire quoi, tout ça ? Et depuis quand ça twerk, les gamines blanches toutes maigrichonnes ? Si t'as pas le cul qu'il faut, t'as pas le droit de twerker, point final. C'est vrai, merde. Chaud tout.